Bref, aujourd'hui j'ai voulu m'acheter Bayonetta et le dernier Naruto, j'ai donc été à Dynamic Games. Je rentre, c'est aussi grand que mon salon, sauf que tout est vert. Le sol, les murs, même le vendeur. Bonjour. Je lui dis bonjour. Bonjour. Et je me suis dirigé vers les jeux. Je ne trouvais pas le neuf, mais au moins il y avait gavé d'occasion. Je me suis retourné, j'ai remarqué que le vendeur me fixait. Je l'ai regardé, il m'a regardé, je l'ai regardé, il m'a regardé, il m'a demandé. Est-ce que je peux vous renseigner? Oui, bien sûr, mais écoutez, j'avais des jeux à ramener. J'avais acheté le dernier Naruto et puis aussi Bayonetta. Bon, bah, on va regarder tout ça. Ouais. Alors, est-ce que vous connaissez le système du magasin? Ah non, pas du tout. Non? Je vais vous l'expliquer. Donc là, vous voulez prendre donc, le Bayonetta et le nouveau Naruto. Et vous ramenez tous ces jeux. Donc en fait, on a un système d'échange à 4€. Donc là, par exemple, vous me ramenez le Killzone 3 qui vaut 22€ à l'échange. Vous voulez prendre Bayonetta qui lui aussi vaut 22€ à l'échange. Hop, il y a juste 4€ à payer. C'est le prix de l'échange. Ensuite, tous ces jeux-là sont pris moitié prix, leur valeur à l'échange, puisqu'on part sur du neuf. Mais Soul Calibur 5 et Mass Effect 3 étant des titres très récents, en fait, ils sont rachetés moitié prix, plus 40% de leur somme. Donc, en les reprenant de cette façon, le Naruto est payé. Et ce jeu-là, on peut ensuite le reprendre moitié prix. Donc 7€, ce qui paye votre échange, et il vous restera un avoir de 3€, donc rien à payer. J'ai rien compris. Alors, est-ce que vous avez tout bien compris? Oui, oui, bah écoutez, c'est super clair, donc je ne sais pas, c'est que l'échange je reviens. Jamais, trop compliqué. D'accord, très bien. A bientôt. Merci, au revoir. Au revoir. J'ai donc été voir dans d'autres magasins. J'ai d'abord été à Happy, puis à Express. J'ai entendu un nouveau discours, j'ai compris, et cette fois-ci, ça faisait mal au portefeuille. Bon, alors, je regarde ce que tu m'as ramené. Bon, en gros, je vais reprendre tes jeux en bon d'achat, donc ouais. En gros, je te reprends ça à 45€. Ça, on va dire 40-45€. Et vu que tu veux le nouveau Naruto et Bayonetta, faudrait rajouter une trentaine d'euros à peu près. Faudrait que tu rajoutes entre 25 et 30 euros à peu près. J'ai entendu. Ce qu'on va faire, tu me donnes ta Porsche et tu prends tes jeux. J'ai donc décidé de retourner à Dynamic Games. Le mec me explique, je me concentre. Lumière, j'ai compris. L'échange, c'est un jeu contre un jeu de même valeur sur le même support pour seulement 4€. Pour le 9, les jeux sont repris moitié prix de leur valeur à l'échange, auquel on rajoute 40% pour les jeux récents. En gros, j'échange mon Killzone qui vaut 22€ à l'échange contre Bayonetta qui coûte 22€ pour seulement 4€. Ils sont eux réglés par le monde de Narnia, repris 7€ en avoir. Pour Naruto, il est payé par les deux jeux que j'ai ramenés et qui sont repris moitié prix de leur valeur à l'échange. Je repars avec Bayonetta et Naruto sans rien régler. Et en plus. Narnia est racheté moitié prix. Donc 7€, ça te paye tes 4€ d'échange et il te reste un avoir à la fin. Bref, j'ai été chez Dynamic Games. Est-ce que je fais une petite carte de fidélité? C'est gratuit, ça n'engage à rien. Ah oui, pourquoi pas, consiste en quoi en fait? Alors, lorsque vous faites un échange comme ici, il y a un coup de tampon, un achat, deux coups de tampon, au bout de la ligne, 4€ de réduction ou un échange gratuit, sachant que vous pouvez cumuler, à la fin de la carte, ça peut faire 4 échanges.